Ah, vous êtes là. Bonjour. Critique d'un spectateur lambda. Là, je sors du cinéma et je suis allé voir Love Life. J'espère que je prononce bien. Bref, c'est pas grave. Donc, film réalisé par Koji Fukata. Donc, résumé pour faire vite. Taiko vit avec son épouse, Jiro. Vous voyez, le R en japonais se prononce L et non R-O. Donc, son nom, ça ferait Jiro et on préfère dire Jiro. Vit avec leur fils, Keita, en face de chez leurs beaux-parents et parents pour son homme, bien sûr. Alors, l'histoire, c'est un drama. J'ai pas envie de vous en dire plus. Allez voir ce film, parce que si je vous raconte l'histoire, après, vous n'aurez pas envie d'aller voir le film. Moi, je sais que je l'ai apprécié et j'ai passé un très bon moment en compagnie de mon épouse, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je vous dis kanpai et comme on dit chez nous, hein, en japonais, sayonara. Ah oui, vous l'avez vu? Sayonara, le R, L. Sayonara, bye bye.